Ok. Mec, tu sais qu'il nous cherche à nous. Hein? Oui! Deux véhicules rouges qui roulent à vive allure. Mais attends, ils t'ont dit quoi là? ils m'ont demandé s'ils avaient vu un véhicule, deux véhicules rouges roulant à vive allure. Non! Si, ils nous en balancent, les mecs. C'est les mecs au Pôle emploi qui nous en balancent. Oh les bâtards! Putain, en plus on les aide et tout. Mec, tu sais qu'imagine, ils auraient contrôlé. Pas de papier! Pas de permis de conduire de camion. Mettez-vous contre le camion ici, là où je suis, je vous prie. Bon. Monsieur Ruff, oui, on contrôle le camion, s'il vous plaît, juste ici. Et on peut savoir qu'on a fait. Attends, je prends votre identité. On fait juste une fouille de contrôle au cas où. On fait juste des suspicions, mais si vous voulez. Vous lever les mains, s'il vous plaît. Je prends votre suspicion de. Suspicion. Suspicion de gros trafic de poulet. Vous foutez pas trop de ma gueule là par hasard. C'est chicken meeting. Ouais, pourquoi vous pensez ça? C'est parce que vous faites. Non, en fait, c'est légal. Dites-moi, vous ne pouvez pas parler de 200 poulets vivants, vous en avez que okay, 3 sur vous. Ruff. De quoi? Vous ne pouvez pas parler tout à l'heure de 200 poulets vivants, vous en avez que 3 sur vous. Ils sont dans le camion. Je croyais que vous n'arriviez pas à l'ouvrir. Un barquette. Non, c'est moi, c'est lui. C'est moi qui arrive pas. Oui, c'est monsieur Ruff. D'accord. Baissez les mains. Baissez les mains, je vous remets votre carte d'identité dans votre poche. Merci beaucoup. Pareil, je vous la remets dans votre poche. Allez. Si. Et c'était pourquoi ce contrôle? Vous avez un port d'armes? Non, négatif, je n'ai pas d'armes non plus. Ouais. Bah ouais, mais c'est quoi les armes, l'espèce d'étui que je vois autour de vous là? Bah en fait, c'est donné avec le service de travail. Ouais, c'est en fait. Le métier. Ah d'accord, ok. Et vous pouvez me dire vos habits de civil? C'était quoi hors du boulot? Le haut bah, et le plus, je les ai laissés, je sais pas quel jour. Oh, qu'est-ce que j'ai mis aujourd'hui moi? Ah, oh, vous savez pas ce que vous avez mis aujourd'hui? Ah non. D'accord. Bah quelles sont les couleurs des vêtements que vous avez rangés dans votre casier? Et vous monsieur? Chez les poulets. Bah en fait moi c'est les mêmes, j'ai pas trouvé les vêtements de mon boulot. Okay. Et vous monsieur? Okay. Bah comme je vous ai dit, je sais plus moi. Je me suis directement changé, j'ai pas regardé qu'est-ce que j'avais sur moi. Vous perdez souvent la tête quand même hein, monsieur Ruff, on est d'accord? Pourquoi? Non c'est pas monsieur Ruff qui parlait. Ah pardon, c'est le monsieur à côté. Ouais mais oui. Putain, je vois pas les lèvres, ça m'énerve. Oui. Du coup je vous confonds, c'est pas bien hein. Par contre vous avez une très belle voiture. C'est vrai, ça vous plaît? Un petit... Venez vers la route, venez sur la route. Vous savez ce qui me plaît le plus comme voiture? C'est les voitures rouges. Ça me plaît encore plus moi, les voitures rouges. C'est ça, 12. Voiture rouge. Ah, moi je descends. Oula. Allez, speed. Il y a du monde là. Monsieur, bonsoir. Ouais. Est-ce que tu as ton téléphone? Arrêtez. Ah, monsieur, vous avez un chewing-gum sous la chaussure. Bon, je vais regarder la photo que j'ai actuellement. Parfait, merci. Ne bougez pas, monsieur. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe parce que. Attendez, moi, on va vous expliquer. Oui, on fait perdre de l'argent, d'accord. Bah oui, mais nous aussi on perd du temps en venant ici, d'accord. Au niveau du visage, c'est ressemblant, mais. C'est pourquoi? C'est pour quoi, en fait? Expliquez-nous, on peut vous aider. Au niveau du visage, c'est ressemblant, mais au niveau des voix, c'est vraiment pas. La voiture rouge. Est-ce que vous avez des voitures rouges? Vous avez vu dépasser des voitures rouges ou pas derrière moi pendant votre. Mais on en a vu plein ce soir, il y en avait plein. On en a vu plein, surtout au niveau de la boîte de nuit. Non mais c'est vrai, alors j'ai vu deux voitures jaunes et puis je sais pas combien de voitures rouges. Parce que autour de la boîte de nuit. Et deux noires. Et monsieur avec le t-shirt anarchie là. Oui. Vous vous rappelez vraiment pas de la couleur de vos vêtements? Non. Vous avez déposé dans votre casier, c'est bizarre non, ça quand même. Non, vraiment pas. Je crois que c'était du bleu, je ne sais pas sûr. Je sais pas. Ah ouais. Ouais, bon, c'est vous êtes monsieur. Alors j'ai juste une question, excusez-moi, j'ai juste une question, monsieur avec votre t-shirt. Est-ce que vous avez quelque chose contre la Tunisie? Non. Ok, donc c'est pas lui, c'est bon. Ok. D'accord. C'est juste la réponse que je voulais entendre et l'accent c'est pas du tout la même chose. Donc c'est pas ces messieurs auxquels j'ai eu affaire en face du commissariat. Très bien. Bonne soirée, monsieur. Merci à vous pour votre opération. D'accord, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Ouais, c'est ça. Bon, on va retourner. Apparemment vers les unicornes du coup. Oh les cons. Oh je fais bien de parler de notre accent avec putain les flics.
Qu'est-ce qu'elle nous voulait encore, cela? Oi, oi, oi. Il y avait les flics. Ouais, je sais, j'en ai vu un dedans, mais ils voulaient quoi? Ils étaient là pourquoi? Aucune idée. Ils nous ont rien dit. Là, ils sont loin de chez eux en plus. Là. Ouais, ouais, mais il y a une enquête en cours, visiblement. Oh ah, okay. Mec, oh, je peux te. En bombe en ville tout à l'heure, mais ouais. Après, je les ai pas vus. Ouais, bon, on les avait croisés en ville aussi. Ils nous ont demandé s'ils cherchaient des voitures rouges. Et là, ils viennent de nous redemander. Oh putain, eh, par contre, là, on a eu chaud. Hein. Ouais. J'en connais mal. Ouais, mais du coup, forcément, ils vont nous attendre là-bas. Hein. Bah ouais. Et en plus, si. S'ils chopent la plaque d'immatriculation. Je sais pas. Mais en vrai, on a fait quoi en fait? J'ai pas compris. En fait, ils ont pas de preuves. Parce qu'en fait, à toi, ils se souviennent plus de ton habit. Mais le mien, oui, je pense. Et donc, là, je suis un peu dans la merde. Je suis un peu dans la chiasse. Mais par contre, il se rappelait quand même de. Du. Pardon de l'attrapeau de la tunique. Ton camion, tu l'as chargé à combien au maximum? Camion 4000, c'est beaucoup. C'est 40 fois. Combien? Ouais, 4000. 4000? Ouais, c'est énorme. C'est abusé. C'est comme vous voulez. Sur la plage, sur la villa. Ouais, comme la tu piscine. Veux. Ah, si vous voulez, j'ai acheté un petit appart. Bah vas-y, allez Gilbert. Vas-y, ouais, ça c'est... Vas-y, ouais, ouais. Un grand appart quand on va arriver, je pense. Vous me suivez? Ouais. Ouais. Ouais, ça marche. Pas trop les boîtes aux lettres. Ouais. C'est par là. Ouais, c'est par là, VD. Oh là là, oh la vache. Waouh. Je l'ai dépouillé aujourd'hui. Oh ben félicitations. Oh là là. Merci. Eh, c'est des vraies plantes. Non, celle-là c'est juste de la déco. Putain, ah ouais. Ah Gilbert, je te paye un coup là. Ok. Oh la vache, la porte. Oh par contre sur la table. C'était avec l'appartement ou c'est toi qui l'a... Ça. Ça. Voilà. Et la vue que t'as. Non, c'est elle est top, Eh, ah, franchement, cette vue, magnifique. Ah ouais. Eh ben, t'as dû travailler vraiment dur pour voir tout ça. Oh, écoute... On fait des économies. Hein. Oh la vache. Oh Gilbert, c'est quoi ça? Quoi? C'est quoi ce livre là? Ah, ça marche, bah, je te dirai ça. Le gris là, regarde la couverture. Ah ouais. Bah, j'ai croisé ton quatrième frère du coup. Oh le. Ah écoute. Gilbert. Ah bah j'ai. Bah du ça hier, j'ai eu Aziz. Mais il y a Philippe qui était déjà là. Et donc. Sous ses airs de travailleur, il a un banc sur la table et un livre un peu bizarre. Non, ça arrive. Qui a rigolé? C'est moi. Quoi? Tiens, Sarah, il y a un livre pour toi, là. Regarde la couverture. Quel, du coup? Le gris, en grand, là. Sixième sens du yoga, c'est ça? Ouais, c'est ça, le sixième sens du yoga. C'est pour ça qu'il faut faire du yoga de temps en temps, je vous ai dit. Ah, le yoga c'est la base.
Allez, on va faire pas, du yoga. Je sais pas si je vois mal, mais sur la couverture, ça va être du yoga. Si, si, c'est du yoga. Regarde, mets-toi sur le tapis, là, je vais pousser la table. Allez. Un peu de yoga, les gars. C'est important de bien respirer, quand même. Allez. On respire bien. Tu voulais faire quoi là? Bah... Tu voulais faire la couverture ou quoi? Ah là là. Ah, putain. Et toi, ça te tente pas le yoga, Sarah? Non, toi, t'aimes pas trop ça. T'es plus sport de combat, toi. Ouais, plutôt, ouais. Allez, je pense. Ah, ouais. Ça, ah, du coup, il raconte quoi, Stabio? Ça m'a coûté. Alors, 700 000, je pense. Imaginatif, hein. Et les armes, tu les as achetées là-bas aussi? Il y a la mer, déjà. Okay. Ou le ciel? Avec une lune. Moi, tranquille, alors. Ouais, ouais. Lune, c'est quoi? C'est ce qu'il y a à droite, là? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. T'as bougé. Wow, magnifique. Elle venait à côté de moi, elle est vraiment pas mal, ici. Putain, mais vous êtes tous des malades, sous le toit et tout. Ouais. Sinon, on peut aller, genre, juste en bas, là, pour prendre une photo. Ici, là. Là où il y a le petit truc. Ouais, une petite villa, là, avec la piscine, pas mal. Ouais. Vous allez dire encore que je suis riche, mais on me l'a donné. Oui, allô? Du coup, on te l'a donné. En fait, j'ai gagné. Bonjour. J'ai un bateau, si vous voulez. Non. J'ai gagné en faisant. Quand alors, je vais me rendre au garage, alors, ça marche. Ouais. Et du coup, t'as un bateau, là? Si. Ouais, j'ai un bateau. Il est où? T'as fait une course et t'as gagné un bateau? Ouais. Ah, mais moi, je vais devoir y aller, par contre. Ah, c'était le patron? Ouais, c'est le patron. Ouais, c'est ça. Il y a quelques métiers que on peut pas accumuler. Tiens, si tu. Un peu la réparer. Quoi, tout de suite? Oh, ouais, ça c'est Sarah qui te l'a défoncé comme ça là. Ah, y'a pas de soucis. Merde, je suis désolé. Y'a pas de soucis, t'inquiète. Oh, tu peux t'en vouloir non, toujours là. Tu peux parler, toi. Moi, elle est propre, hein, regarde. Voilà. Oh merde. T'as de la chance qu'il soit là. Hein. J'avoue. Bonne chance au boulot, du coup. Ouais, merci. Bon courage. En tout cas, tu l'as calmé. Tu vas au garage principal là? Après, je vais déjà la ranger celle-là. Ah ouais, vas-y. Ouais, Ju. Yes. Elle est où la Nissan? Je sais pas. Mais t'es parti longtemps, toi? Non, là. J'ai juste fait le tour, là. Ok. Ouais. Okay. Mais pourquoi il y avait. Tu l'as garée où? Bah, ici, elle était posée. Mais sur le parking? Ouais. C'est pour ça. Bah attends, on va demander à quelqu'un. Ouais, ouais. Vas-y, garde-toi. Ah ouais, parce que merci. Ça vient pas d'Andro, ça. Non, de rien, de rien. Bah merci en tout cas et... Ah bah de rien, c'est okay. Normal, c'est mon travail. Je sais pas. C'est une bonne soirée, du coup. Merci, vous de même. Merci bien, à bientôt. Au revoir. Ok. Oh là là. On n'aura pas de mauvaise surprise. Mmh. Allez, bon courage. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Vous travaillez ici, monsieur? Oui, c'est exact. J'en ai pour une petite seconde. Je vais juste voir un agent de police. Ça vous dérange ou... Non, 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 allez-y, vous inquiétez pas, je vous attends. Bah là, merci. Il faut un agent de police, j'ai l'impression. Wow. C'est le grand jeu. Yo. Ouais, bonsoir, c'est moi qui ai appelé. Ouais, je me suis garé ici sur le parking. Ouais. Et je suis avec la voiture d'un collègue à moi. D'accord. Et je suis parti vite fait aux toilettes dans le bâtiment à côté là. Ouais. Et quand je suis revenu, elle y était plus. Et c'était personne, quoi comme voiture? Nissan GT-R en couleur bleue. Nissan GT-R bleu. Ouais, je note ça, mais. Par contre, 47 et 01, là, vous voyez ce que je vois derrière moi? Ils sont littéralement de notre gueule, donc la prochaine fois on les fout en cellule. Oh, ouais, pas de problème.
Et du coup, bah, on va se mettre à chercher Nissan GTR bleu. Et si on la voit, on vous tient au courant. D'accord. Vous avez vérifié à la fourrière s'il n'était pas ? Parce que je pensais peut-être que c'était la fourrière qui l'avait embarqué, mais du coup... Logiquement non, si les véhicules de vos collègues étaient là ou même vos collègues étaient aux alentours, il n'y a pas de raison que cette voiture parte de elle-même. Ok, bah parce que lui il est parti en fait, du coup c'est pour ça. Ouais mais il y avait du monde, et je pense. Celle-là aussi. Elle n'est pas partie. Ah, personnellement je suis toujours en ville depuis tout à l'heure, il y a un petit peu de monde au concesse. 47. Donc je pense que c'était plus un vol sur le coup là. Ok, ok. Il y avait du monde sur le parking quoi, du coup c'est pour ça c'était un peu bizarre. 12, ils viennent trois fois de nous faire un doigt. Si vous trouvez quelque chose, ce serait cool. Réponds pas à ça, non, répondez pas à ça. On est plus intelligent que ça. On les aura plus tard. Du coup, pour tout ça, vous voulez faire une déposition ou quelque chose? Ça servirait vraiment à quelque chose ou... Bah personnellement ça vous ferait plus perdre de temps à vous et à moi, mais si vous voulez vraiment, si derrière vous voulez porter plainte, si on retrouve quelque chose... Non, tant que la voiture est retrouvée c'est bon. Ok, bon ce serait juste de notre part un rapport d'intervention donc c'est tout bon. Ah voilà, comme ça moi ça vous embête pas et... Ouais bien sûr, c'est notre travail. Okay. Ouais mais même, c'est toujours un petit peu embêtant. Mais je pense on... Du coup vous êtes monsieur même. Monsieur Skajorzik. Ah S-K-A. D'accord, ok. Ah. Ouais, c'est bon. Alpha de votre prénom, ça ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, parfait. Bon, bah, parfait. Ah, okay. Bon, mon passé, moi, je vais me coucher, j'ai les yeux qui fatiguent. Bon, bonne soirée, monsieur. Bonne soirée à vous, messieurs. Bonne soirée, monsieur, en tout cas. Bonne soirée. Bah, je te dis à demain, mon loulou. Ouais, ça marche, à demain. Allez, t'es déjà au prix. 01, tu fais un 17 avec moi. Les clips, tu les laisses récupérer. Parce que j'ai un petit rien à savoir. Ouais, ça marche, ok. Je viens vous voir pour deux choses. La première, c'est est-ce que la banque aide pour financer l'achat d'une voiture ici ou d'une moto? Ah, c'est une bonne question. Je vous avoue que c'est. On ne m'a jamais posé la question. Je ne sais pas quelle est la position du banquier par rapport à cette requête. Ok. Donc le mieux, ce serait de passer directement les voir afin de leur poser la question. Je vous avoue que je ne sais pas s'ils font des prêts. Je pense que tu peux demander à la banque. Quoi. Ouais, je vais aller voir alors. Et deuxième question, est-ce que vous recrutez, monsieur ? Alors, ce n'est pas moi le patron. D'accord. Je ne suis qu'un simple employé, donc il faudrait voir avec eux. Je vous avoue qu'à ce niveau-là, je n'ai pas beaucoup vu mes patrons ces derniers temps. Donc, je ne saurais pas vous dire. Okay. Vous avez un mail à me donner ou quelque chose comme ça ?